Salut tout le monde, infecté, Thème Loïc, tout le monde me dit, salam tout le monde. Écoute, nouveau péri, travaillez pas très tard, hein. J'espère que vous n'êtes pas trop KO. Bonjour à tous, et on va venir aller avec encore un nouveau dossier qui est ce livre qui existe, hein, le dictionnaire des symboles occultes, et il y en a pas mal, hein. Voilà, je vous montre ça, hein. C'est pour ceux qui pensent que c'est de la foutaise, hein. Il y a carrément des dictionnaires à leur effigie, donc. On ne peut pas inventer ça, on ne peut pas écrire des livres avec du vent, et j'en passe. Mais bon, on n'arrêtera pas de vous dire que tout ça c'est réel, c'est vous qui délirez, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est encore des preuves toutes bêtes, hein. Juste devant vos yeux. Et voilà, allez vous renseigner, vous allez voir. Maintenant, on va aller plutôt du côté des francs-maçons pour voir un peu leurs symboles. Parce qu'il y a plein de gens, on dit qu'ils font des signes, tout ça, vous ne comprenez pas. Certains disent qu'on délire, qu'on rêve. Là, vous allez avoir la preuve A plus B que c'est vraiment des symboles réels. Allons-y. Et ça pourra aussi vous permettre de démasquer certaines choses. Vous allez voir que ça va aller loin. Ce que je vais vous montrer là, ça va aller loin. Mais c'est réel. C'est réel. On ne peut pas l'inventer. Donc voilà. Là, c'est la trame faite par des francs-maçons eux-mêmes pour expliquer leurs symboles. Allons-y. Déjà, on sait tous que pour l'initiation, ils doivent être masqués, ils doivent garder tout secret. Ils déchirent un côté. Hein. On peut aussi voir toutes ces stars qui déchirent une partie de leur sein pour montrer qu'elles sont dans la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Madonna. Elles font Zarma. Oh, pardon, mon sein est sorti du côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font sortir un sein. C'est pour montrer la franc-maçonnerie. C'est une marque. Même des hommes le font. C'est la marque de la franc-maçonnerie. Ils déchirent un côté. Enfin, ils laissent un côté apparent. Un sein apparent. Voilà, ils simulent l'acte d'être pendu. On peut voir un pentagramme derrière, mais bon, bref. Ils simulent aussi l'acte d'être pendu. Pour être initié, ils font comme s'ils mouraient et qu'ils reviennent à la vie sous forme de franc-maçon. C'est rare, mais c'est réel. Ils font comme s'ils meurent et que quand ils revivent, ils sont ressuscités, ils sont des francs-maçons. Et qu'ils ont laissé leur vie quotidien à la morgue, en gros. Hein. Mais bon, là, on va plutôt passer sur les signes. C'est très important, voilà. Déjà un signe. Ça, c'est le signe pénal de l'apprenti. Vous avez vu, quand l'apprenti fait une connerie, il fait comme s'il lui coupait la gorge. C'est un signe. Hein. C'est-à-dire que si tu vois ce signe-là, c'est que tu es en danger. Hein. En gros. Hein. La poignée de l'apprenti. Regardez bien. Vous voyez? Vous avez vu cette façon de serrer la main? Retenez-le bien. Donc maintenant, il y a plusieurs degrés. Signe de compagnon. Voilà. C'est un signe pour se reconnaître. Et j'ai fait aussi cette vidéo pour Rick Ross. J'ai fait une vidéo hier de Rick Ross qui fait un signe bizarre pour se reconnaître entre francs-maçons. Donc là, je vous montre d'autres signes. Ça reste, ça c'est la suite. Hein. C'est la suite logique en fait. Hein. Si vous avez vu la vidéo de Rick Ross hier, là, je vous montre d'autres signes. Il y a aussi des signes qu'on a pu voir avec Rick Ross hier. Bon, bref, continuons. Voilà. Là, par contre, c'est plus au niveau du torse. C'est décapitation, mais au niveau du torse. Et c'est pour exprimer une erreur d'un mec qui est au second degré. On le punit en faisant ce signe-là. Là, il a compris qu'il a fait une connerie. Puis, comme si on lui coupait la gorge, quoi. C'est explicite, hein, comme signe, quand même. Bref, la poignée du compagnon, on y retourne. Regardez. On ne serre pas la main comme ça. C'est une poignée spéciale. Regardez majordome. Majordome. Vous voyez, à un moment où le majordome rentre dans la politique. Zarma, il arrive à filtrer les locaux de la politique. Et il fait le ménage là-bas, si je me rappelle bien. Bah, regardez bien comment il lui serre la main, le politicien noir. À quoi il arrive, le majordome, il lui serre la main comme ça. Et on voit bien un gros plan sur cette image. Et ça m'a marqué, je dis pourquoi on voit un gros plan comme ça sur leur main? Parce qu'il montre en fait que cette information, le premier black qui a sorti la tête de l'eau de l'Amérique, etc. Zarma. Bah, bref, je me suis égaré, mais là je vais vous montrer d'autres preuves un peu plus intéressantes. Monsieur Sarkozy et Monsieur Attali. Regardez comment il se serre la main. On ne serre pas la main comme ça dans la vie. C'est une poignée de francs-maçons que vous. Voilà. Et je vais vous montrer encore plusieurs poignées, comme ça vous allez voir. Avec par exemple le pape et la reine d'Angleterre. Regardez. C'est la même poignée. C'est pas une poignée comme on fait amicale où on prend toute la main paume sur paume. Non. Là, on en prend d'un côté bizarre. Exactement comme ça. Vous voyez? Pareil. Et je vais vous montrer encore quelques poignées. Vous allez voir. Hein, ils ne se cachent même pas. Hein, c'est. Voilà. Hein, comme je vous ai montré. Ça montre bien leur appartenance à un système, à leur groupe. Hein. Regardez, la poignée de main aussi entre le pape, l'ancien et le nouveau. Pareil. C'est une poignée de main maçonnique.
Et regardez, ça par contre, je me surpose, on va venir plus tard. Ça aussi, c'est une poignée de main, ça s'appelle la poignée du lion, la poigne du lion. Et je vous parlais aussi avec Rihanna, les griffes du lion. Je vous disais que c'était les francs-maçons qui disaient que peut-être l'antéchrist aura trois griffes sur le front qui représentent la griffe du lion, qui est en fait le symbole de la fin de la religion. Les armées, ils ont gagné, quoi. La religion est foutue et ils symbolisent ça avec le lion. Je ne sais pas pourquoi, même la mort de Jésus, elle est symbolisée par un lion ailé. Apparemment, ils aiment bien les lions pour signifier la fin du règne de Dieu, je ne sais pas pourquoi. Bref, surtout que c'est impossible, ils peuvent rêver, mais bon, laissons-en croire ce qu'ils veulent. Mais ça, je vous disais bien que c'était des francs-maçons qui disaient ça. Et, ça se confirme avec leur poignée de main qui s'appelle la poignée du lion. C'est bon, c'est pas un hasard, quoi, ça je peux vous dire. Bon, alors on continue. Donc, il y a plein de grades, on va pas tous les faire, je montre juste ceux qu'on voit le plus souvent. Voilà, vous avez vu ces mains-là déjà aussi? On le voit des fois à des parlements, etc. J'ai déjà vu, mais bon, bref. Attendez, je l'ai mal fait. Voilà. Vous avez vu? Une espèce de... Là, il le fait de plus en plus bas, en fait. Là, quand il fait sous la ceinture le signe de comme s'il coupait la gorge, mais au niveau de la ceinture, c'est le troisième degré qui a fait une connerie. Oui, ils sont techniques, hein. La poignée du maître du franc-maçon. Voilà. Là, c'est encore une autre poignée, mais bon, elle est à peu près pareille. Hein. Toujours aussi bizarre. Signe de fidélité. Main sur le cœur. Bon. Classique. Signe de persévérance. Voilà. Regardez, signe de persévérance. Signe de l'horreur. Bon. Signe de l'empathie, vous avez vu? Signe de la sympathie, c'est ça. Nous, on pourrait plutôt croire, putain, mais merde, il est des cons, ce mec. En fait, pour eux, ça veut dire, je suis d'accord avec toi, c'est sympa, quoi. T'es génial. C'est technique, hein, leur truc. Hein. Voilà. Quand t'as besoin d'aide. Et n'hésitez pas en commentaire, hein, si vous connaissez un peu plus d'informations, n'hésitez pas. Le signe européen de secours. Bon, ouais, ok. Mince. Le signe du salut. Une main sur le cœur, une main comme l'armée. Voilà, c'est le salut franc-maçon. Le signe pénitentiel. Voilà, vous avez vu, hein. Roblas, ça, c'est pour nous, on pense qu'ils prient. En fait, non, pour eux, c'est un signe de pénitence. Oh, c'est très grave. Ils salissent même ce signe-là des chrétiens, mais bon, bref. Voilà, le signe aspect spéciaux, mais bon, bref. Avec les pieds aussi, ils ont des systèmes de... La patte du lion, voilà. Je dis la griffe du lion. Non, c'est la patte du lion. Et vous avez vu, le délire, c'est qu'ils laissent un doigt partir un peu bizarrement comme ça. Et regardez, je vais vous remettre, c'est exactement celle-là, son doigt qui part, la patte du lion, avec le pape. Voilà. Vous avez vu, tout est en accord. Hein. Rien n'est au hasard, tout est explicable, faut juste faire la recherche, c'est bien regardé. Et j'ai un autre exemple ici aussi d'une poignée de formations différentes. Celle-là aussi, elle existe. Voilà. On peut aller encore plus loin. Hein. On peut aller encore plus loin. Voilà. D'ailleurs, je ne sais même pas avec qui il est, mais on peut voir que c'est la poignée des francs-maçons. On n'a pas même besoin de chercher midi à 14h. Voilà. Et ça continue, toujours avec le pape. Hein. Ça ne m'étonne guère. Voilà. Donc, ça peut aussi, je pense, vous montrer que ce n'est pas du hasard et que ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas la poignée des riches. Non, c'est la poignée des francs-maçons. Comme je vous ai montré, ils eux-mêmes l'expliquent. La vidéo en noir et blanc, c'est eux qui expliquent. Hein. Faut le savoir quand même. Et voilà. Je m'arrête là parce que regardez maintenant, Poutine, monsieur Poutine, très grand monsieur, regardez comment il serre la main, monsieur Poutine. Hein? Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on serre la main dans la vie. Bravo, monsieur Poutine. Regardez comment on serre la main. Bizarrement, ce n'est pas comme on a vu juste avant. Hein? C'est pas comme ça, bizarrement. Hein? Quand Poutine il serre la main, c'est pas comme ça. Hein? C'est comme ça. Hein? D'accord. Voilà, je voulais juste le dire. Entre deux. Parce que j'entends beaucoup des gens dire la Russie. Oui, d'accord. Moi, par contre, M. Poutine, il a mon soutien. Je suis tout à fait d'accord avec ses convictions et surtout avec ce qu'il fait pour son peuple. Parce que, franchement, reptilien. Poutine, reptilien. Bon, allez, hein, on va pas débattre là-dessus. Je ne crois pas trop. Bon, allez, on va quand même finir cette petite vidéo avec ça. Voilà. Là, c'est carrément, je vous disais, dictionnaire, mais il y a aussi des livres où ils balancent leurs trucs. Hein. Ils montrent carrément en photo leurs signes, etc. Et ce signe-là, il est connu, la main dans le. Au niveau du cœur, mais dans l'intérieur. C'est connu, ça. Vous êtes d'accord? Bon, regardez. Vous allez voir que c'est très grave, quand même. C'est très grave. Regardez. Enfin, on connaît bien. Vous pouvez voir, dans plein de documents, ils le disent. Hein, ils ne se cachent même pas. Voilà, le rituel franc-maçon. Hein. Et voilà, maintenant, passe aux choses sérieuses.
vous allez voir que tous ils sont. Ça va aller très loin, hein, je veux dire. On pourrait remonter à 1900, etc. Hein. Même avant, hein, Napoléon et tout ça, bien sûr. Hein. Voilà, vous avez tout compris, hein, bravo, hein, ceux qui écrivent des commentaires, je lis, hein, vous inquiétez pas. Vous avez tout compris. Ça va très loin, regardez. Hein. Ils sont là depuis le début. Hein. De toute façon, c'est eux qui ont créé l'Amérique, c'est eux qui ont, bon, voilà. Le siège, à la base, était l'Angleterre, et bon, et j'en passe. Et bon, on va pas faire un cours d'histoire, juste, je vais vous montrer les choses importantes, et maintenant, on y vient. Allez, c'est parti. Regardez, ils font tous la pose de maçon. La main dans le t-shirt, enfin, dans la veste. Voilà. Si vous reconnaissez des gens importants, dites-les nous en commentaire, n'hésitez pas. Déjà, j'ai vu, il y avait Staline, déjà. Staline, j'ai vu, bon, bref, ça va tellement vite de toute façon, mais regardez. Isaac Cordon. Il y en a plein. Voilà. Ils montrent leur appartenance. Comme j'avais dit aussi avec Rick Ross, ils ont des signes pour montrer qu'ils sont avec eux. Sans pouvoir le dire. Juste en faisant un signe, tu comprends, ils sont avec eux. Mais eux, ils vont dire non devant la caméra. Ils vont dire non, on n'est pas franc-maçon, mais ils vont faire le signe. Il y en a même qui disent oui, on l'est, parce que depuis 2012, c'est ça aussi, je tiens à le dire. Faut que je dise ça, je le place vite fait. Atatürk, non, arrête, tu l'as vu? Bref. Ah, la musique, ok. Ah, mais non, mais Atatürk, ça, c'est. Attends, qu'est-ce que c'est exactement? Puis c'est pas de bêtises. C'est un général turc, de Turc, non? C'est un gros soldat. Hein. Bon, bref. Je vais quand même dire ce que je voulais dire. Excusez-moi. Depuis 2012, il y a eu un cycle. Eux disaient la fin du monde, la fin des Mayas, nanani, selon les Mayas, etc. En fait, les Mayas, ce qu'ils ont prédit, c'était la fin du masque. Ils arrêtent de se cacher depuis 2012. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. On a un nouveau système, et depuis 2012, ils ne se cachent plus. C'est pour ça que ça va de plus en pire. Ça va de pire en pire. Jusqu'à où? Jusqu'à l'apocalypse, etc. Hein, ce que tout le monde sait, la Troisième Guerre mondiale. Et ça va aller de pire en pire. Ça ne s'arrêtera pas. Ne croyez pas que ça va redescendre, que ça va redevenir. Non, c'est mort, c'est trop tard. Ça va faire que s'aggraver, et plus le temps passe, plus les démons vont sortir de leur cachette. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Et voilà, donc il faut savoir que les démons sont là depuis longtemps en plus. Hein, mais bon, plus ça avance, plus c'est grave, quoi. Ils ne se cachent plus. Depuis 2012, la porte est ouverte et ils ont même le droit de... Enfin, ils ont le droit. Façon de parler, hein, mais voilà. C'est leur cycle d'ouvrir leur bouche et de plus se cacher. Ah, tu dis 2019, la Troisième Guerre mondiale. Bon, peut-être avant, hein. Qu'est-ce qu'on sait? Je ne sais pas. Mitterrand, bon, on sait déjà, mais allez, bon, c'est important, c'est l'histoire, hein. C'est que les gens qui ont gravé une pierre dans l'édifice du monde, et voilà, hein. Bon, j'ai coupé un peu ce son, voilà, c'est des gens importants dans l'histoire, hein. Bien sûr, l'histoire ont camouflé toute leur magouille, hein, je dis pas, mais bon, voilà, on va voir quelques noms, Karl Marx, voilà, des grands messieurs, et il y en a plein, hein. Franchement, ça ne s'arrête pas, hein, je vous le dis, hein. Churchill. Ah, c'est pas ce que je crois. Bizarrement, moi je pense que c'est des. Non, je sais pas. J'ai pas besoin de me renseigner, frère. On se renseigne que quand c'est flagrant. Et pour moi, Atatürk, en tout cas, l'État turc, je les respecte. Surtout, c'est les soldats, ceux qui ont fait la guerre, faut savoir qu'ils ont une grande histoire, les Turcs, et je les respecte. Pour moi, non, il n'y a rien de bizarre chez eux. Désolé. Je sais pas pourquoi tu veux les salir, mais bon. Au pire, viens en privé, ramener ta science sur la Turquie, mais bon, moi, par rapport à ce que je connais, non. Je ne sais pas, je ne crois pas. Là, vous dites carrément le président de la Turquie, non. Je ne sais pas. Je peux pas vous... Surtout, ce n'est pas le débat, et j'ai pas envie de dire une bêtise. Donc, les Turcs, je vous invite à défendre votre président ou à défendre votre nation, parce qu'apparemment, il y a des gens qui doutent de la fiabilité de votre président, mais pas moi, bizarrement. Pour moi, la Turquie, je vous dis, c'est un pays honorable. C'est un pays musulman honorable. Moi qui ai été souvent là-bas, j'ai été plusieurs fois là-bas, et je ne cracherai pas sur la Turquie, je vous le dis tout de suite. Hein? Et ni sur la Russie. Même si des fois, dans le tas, il y a des erreurs et des problèmes, oui, mais il ne faut pas parler sur un mec. Nous, on parle de la communauté. Ah, tu dis, si va Atatürk comme un prophète, je ne suis pas au courant. Pourtant, je connais plein de Turcs qui ne m'ont jamais dit ça. Donc là, je ne suis pas d'accord. Et même moi, j'ai été là-bas plusieurs fois. Et ceux qui me connaissent, ils savent. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit qu'Atatürk était un prophète. Jamais de ma vie, j'ai entendu ça. Salam. Donc, aussi, il faut arrêter d'inventer, les frères. Hein? Maintenant, peut-être qu'ils le respectent et qu'ils suivent ses enseignements. Je dis pas le contraire. Mais dire que c'est un prophète, non, ça, c'est faux.
Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. Pourtant, je connais très bien les Turcs. Ne dites pas que c'est là-bas que ça se passe, c'est faux. J'ai été là-bas plusieurs fois, je connais bien. Bon, allez, bref. Oui, président Erdogan. Voilà, moi, je pense pas qu'il est mauvais, mais bon, maintenant. Hein. Salut Didi, Dylan. Bon, voilà, hein. Bon, on va pas regarder toutes ces photos de ces fumiers. Hein, ceux qui ont fait l'esclavage, ceux qui ont tué les Américains, les Australiens, les Indiens. Ouais, enfin, pas enfin, les Américains. Voilà, qu'on construit l'Amérique plutôt. Regardez, hein, les Napoléons, j'en passe, hein, tous la main dans le thorax, là, hein, dans leur chemise ou dans leur veste pour bien montrer leur franc-maçonnité. Hein. Bref. Bien sûr, Alexis, hein, il parle de Coluche. Coluche qui a été un grand homme qui a refusé d'être franc-maçon. Et apparemment, c'est ce qui a causé sa perte. Hein. Bon, bref, apparemment, certains le disent. Hein, moi, je n'ai pas de preuves, mais bon, voilà, c'est pareil, il a refusé. Et voilà. La suite, vous la connaissez. Bon, je pense que tout a été dit, on va pas non plus passer 20 ans sur ça. Vous avez vu maintenant quelques symboles qui font souvent, vous pouvez voir ça dans tous les parlements, tout ça, ils font. Enfin, bref, surtout en photo, ils font exprès d'être pris en photo et de faire ces signes, hein, c'est pas pour rien. C'est pas en plus non plus pour faire un buzz, comme certains disent. Non, c'est pour montrer leur fraternité. Hein. C'est comme ça que ça marche. C'est un truc, c'est une société secrète. Et quand c'est secret, il y a des techniques pour pouvoir être secret, hein, c'est logique. Hein. On va pas dire une société secrète qui affiche tout en avant. Non, forcément, il y a des petits pièges, des petites techniques pour pouvoir dissimuler dans la masse, tout simplement. En plus, ce sont des lâches, donc ils osent même pas l'assumer réellement. Ils font passer les autres pour leurs conneries qu'ils ont fait, etc. En plus, c'est des lâches. Bon, allez, je pense que tout a été dit. On va finir avec cette petite photo de Monsieur Sarko et Monsieur Attali en pleine poignée de francs-maçons. Voilà, allez voir hein, les dictionnaires de symboles, ça existe. On n'invente pas des dictionnaires avec du vent, je répète. Hein, ça, c'est un dictionnaire de symboles occultes, de la magie noire, etc. Il vous montre tous les symboles qui, par exemple, comme ça, quoi, le symbole du pentagramme et autres. Voilà, vous pouvez dire des dictionnaires avec tout dedans. Je vous dis pas d'aller le voir, hein, mais ça vous permet de comprendre que ce n'est pas des conneries. On peut pas faire des trucs sur du vent, je répète. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Enfin, c'est même ça, mais bon, bref. Voilà, par exemple, le petit Larousse, le symbole et les signes. Regardez, vous pouvez voir déjà ici. Bon, ça c'est encore la physique quantique ou autre. Bref, c'est autre chose. Mais bon, plein de choses, je pense, à s'intéresser. Hein. Regardez, on peut voir aussi ici une forme de croix bizarrement sur le côté. Bon, voilà, symbole et les signes. Bon, je vois pas bien ce qu'il y a écrit en dessous, mais bon, ça comporte tout. Hein. Il n'y a pas que du bien là-dedans, je vous le dis tout de suite. Et forcément, rien que là, ça nous donne la couleur. Hein. Ouais, ok, hein, je pense que vous avez compris. Bref. Bon allez, portez-vous bien. À tout de suite pour une nouvelle vidéo pour ceux qui s'intéressent. D'amertume dans mes verres et de merde qu'ils mettent dans mon verre. Ici les choses font toujours à l'envers. Y'a quoi de péter un câble quand tu vois ce qui se passe sur le câble. Tous ces jeunes qui salissent leur rame juste pour rouler en câble. On demeure et on meurt dans cette prison mentale où on a peur, où on pleure face à l'autorité parentale. Ils nous gardent dans des cages pour eux être dans le luxe. Nous font croire à l'insécurité pour nous implanter leur puce. Je me fie pas au mirage des marécages, même si c'est le but. Un sur mille s'en sort, je m'en fous de voir des guignols marquer des buts. Le rêve d'un monde soudé qui lutte est aussi vrai que les écrits qui trafiquent à leur guise pour nous faire passer pour leur pute. Nous sommes les coupables aux yeux des élites. Nous sommes que des jouets pour plaisir de bourrer la corbeille Afrique. Pète-tout chez toi, 6h du mat et ça s'appelle des flics. On n'est pas prêt à prendre perpète juste pour un kilo de shit. Une nation où les lois de Dieu sont bannies. Ils nient mais si tôt ou tard l'oiseau fera son nid. Ils font creuser leur tombe couvert d'or et de saphir sur un trône de diamant avec la sueur des martyrs. Ils veulent nous faire gober Darwin en trajet, ça nous wette. C'est nous les singes et c'est eux qui ramassent toutes les cacahuètes. On écoute, ils veulent nous dire, s'infiltre dans l'esprit depuis l'enfant juste pour manier ta vie. Te prive d'argent et de savoir pour te transformer en personne laïque. Forme les jeunes en cours préparatoire au sexe et à son industrie. Comme toutes ces brigades en renfort devant la mosquée à l'heure où tu pries. Trop de racisme religieux mais un jour faudra payer le prix. Rendre les gains des colonisations fondés sur des mensonges et des crimes. Ils anéantissent des villes entières jusqu'à que tu cries famine. Pendant que tu mènes le combat, eux derrière font que se servir. Faut faire les choses dans la vie avant la grande exil. Loin des îles, si Dieu veut au paradis. Plus j'avance et plus c'est dur de toujours suivre la procédure. Avec tout le mal qu'on endure, gouverné par les mêmes ordures, au service du diable pour de l'or pur. Je vois trop dans cette grosse brume,
Trop de frères penchent du côté obscur et aux effets que le mal procure. Ils veulent nous balancer dans la même cure ou dans des studs de 40 mètres cubes. À perpète on subit l'imposture et si tu les dévoiles tu finis dans un mur. Ils ont l'art d'être supportés par la tribu. Ils inversent les rôles, c'est nous les victimes de cette ruse. Leur richesse provient de leur abus pour but de nous faire passer pour des putes. Nous sommes les coupables aux yeux des élites. Nous sommes que des jouets pour plaisir pour la corbeille afrique. Fais toucher 3-6 heures du mat et ça s'appelle des flics. On n'est pas prêt à prendre perpète juste pour un kilo de shit. Une nation où les lois de Dieu sont bannies. Ils nient mais si tôt ou tard l'oiseau fera son nid. Ils font creuser leur tombe couvert d'or et de saphir sur un trône de diamants avec la sueur des martyrs. Ils veulent nous faire gober Darwin en trajet, ça nous est. C'est nous les singes et c'est eux qui ramassent toutes les cacahuètes. On écoute, ils veulent nous dire, s'infiltrent dans l'esprit depuis l'enfance juste pour manier ta vie. Te prive d'argent et de savoir pour te transformer en personne laïque. Forme les jeunes en cours préparatoire au sexe et à son industrie. Comme toutes ces brigades en renfort devant la mosquée à l'heure où tu pries. Trop de racisme religieux mais un jour faudra payer le prix. Rendre les gains des colonisations fondées sur des mensonges et des crimes. Ils élantissent des villes entières jusqu'à que tu cries famine. Pendant que tu mènes le combat, le derrière font que se servir. Faut faire les choses dans la vie avant la croix.